L'École nationale de police, une fois de plus dans l'accomplissement de sa mission qui est de former des jeunes policiers, est heureuse de vous accueillir ce matin dans son enceinte pour célébrer avec ses récipiendaires le couronnement de leurs 7 mois de dur labeur. Si la cérémonie de ce matin a une importante signification pour ces jeunes, elle revêt aussi une importance capitale pour la police nationale d'Haïti, car elle symbolise le respect et la concrétisation de l'engagement pris par la police nationale d'Haïti vis-à-vis de la communauté internationale, qui a été d'amener son effectif à 15 000 policiers d'ici la fin de 2016. Distingués invités, parents et amis, 1474 aspirants policiers, dont 186 filles, se tiennent devant vous, frais et prêts à être déployés partout dans le pays au service de la nation. Aspirants policiers de la 26e promotion, devant les plus hautes autorités du pays, des représentants de la communauté internationale, vos instructeurs et moniteurs, vos parents et amis ici présents, vous allez prêter le serment d'usage et recevoir le parchemin qui va faire de vous des policiers. Vous avez reçu une solide formation en droits humains, en déontologie policière, en tactique défensive, en secourisme, en gestion de la circulation routière, en tir et armement, en plus des cours en sciences policières. Il vous faudra du courage pour braver les délinquants d'où qu'ils viennent, de l'intelligence pour percer leurs desseins car ils sont souvent très ingénieux, de la patience pour démêler et comprendre leurs scénarios criminels, de la détermination pour les suivre et les poursuivre dans leurs repères, de la moralité pour résister au désir, pour dire non à l'argent facile. Depuis l'Organisation scientifique du travail, avec Frédéric Winslow Taylor, la sélection, le recrutement et la formation sont des étapes clés dans le processus de construction et de renforcement des organisations et des institutions. Dans la perspective de Beko et de Taylor, la PNH recommence pour se renforcer de jour en jour. Avec ces 1475 jeunes qui vont prêter le serment d'usage, l'institution va se donner de nouveaux bras et un bain de jouvence pour un travail qui réclame ardeur et vitalité. Un travail qui ne peut jamais être remis à demain. La sécurité, c'est maintenant, partout et toujours. L'institution policière, à travers son commandant en chef, remercie les parents qui, il y a 8 mois, lui avaient confié leurs enfants. Aujourd'hui, parents, je vous invite à admirer vos enfants dans leur tenue de policier, en rang serré, le front altier et l'âme fière. Ils sont remis à leur famille et à la patrie après une formation qui leur sera utile toute la vie pour une mission noble et sublime qui passe à travers une devise: protéger et servir. Mesdames et messieurs, en 1995, j'étais comme ces jeunes sur cette esplanade, attendant que les plus hautes autorités du pays me déclarent apte à devenir policier. 21 ans plus tard, je suis devenu à mon tour l'une des plus hautes autorités de l'État qui doivent les déclarer aptes à devenir policiers. C'est motivant, direz-vous. Je retiens que c'est un fait hautement symbolique et significatif. La PNH aujourd'hui se consolide. Je voudrais dire à chacun d'entre eux et à chacune d'entre elles que tout leur
Tous les espoirs leur sont permis. Mais il y a un prix. Oui, il y a un prix. Il faut travailler dur, dans la discipline, le sérieux et l'honnêteté pour son pays. Ce sera le prochain point. Il y a environ 3 membres de cette promotion qui se sont particulièrement distingués. Il s'agit de John Steve Cécile, Davidson Charles et Stevenson Singh. Stevenson Singh, troisième lauréat de la promotion. Davidson Charles, deuxième lauréat de la promotion, de la 26e promotion. John Steven Cécile, premier lauréat de la promotion et commandant de bataillon par surcroît. C'est avec un sentiment d'une double responsabilité civique et présidentielle que j'interviens à cette cérémonie de graduation de la 26e promotion de la police nationale d'Haïti. À 21 ans d'existence, la PNH est certes une institution jeune. Cependant, elle a parcouru un long chemin et toujours dans une constante recherche de consolidation de ses structures. Quand j'ai été invité à participer à cette célébration de remise de diplôme, je n'ai pas cessé de me rappeler cette phrase de Louis-Joseph Janvier. La passion des diplômes, il faut la faire éclore chez nous. Je ne saurais non plus ne pas penser à la dimension atteinte par la jeunesse haïtienne quant à son implication décisive et marquée dans diverses institutions du pays, notamment la police nationale d'Haïti, à qui incombe la lourde responsabilité de protéger et de servir. Les actions de cette jeune institution ne sont pas toujours bien comprises. À tort ou à raison, vous avez été souvent accusé de passivité, de manque de professionnalisme, et vous avez été plus d'une fois critiqué dans l'unique objectif de discréditer cette institution pourtant capital pour la démocratie en Haïti. Chers gradués, je tiens à vous féliciter vivement pour votre engagement à servir votre pays. Je suis d'autant plus fier que votre formation a été laborieuse et très difficile, mais vous êtes parvenus au terme d'une longue marche à cueillir les fruits de cette dure labeur. Dois-je donc à cette occasion vous rappeler que cette célébration ne marque que la fin d'une étape. Comme le dit l'autre, c'est un monde qui finit et un monde qui commence. Sans vouloir vous intimider, je ne vous cacherai point que des étapes bien plus ardues vous attendent. Si pour certains, être policier,
se limite au port d'un uniforme rutilant et impérial, tel que vous en aviez fait la démonstration sur cette pelouse, mais pour d'autres, cette distinction vous impose à assumer la lourde responsabilité de servir et de protéger la population haïtienne. Chers récipiendaires, en vous indiquant d'une main confiante la voie du devoir au service des populations attentives à vos comportements, je formule le vœu que vos actions conjuguées soient empreintes du professionnalisme le plus constant et contribuent à instaurer dans notre pays une société tranquille, pacifique, propice à une vie agréable, débarrassée des trains de l'insécurité et de la criminalité. Pour finir, j'emprunte cette phrase d'André Malraux. La vie est un grand marché où l'on achète des valeurs, non avec de l'argent, mais avec des actes. Aujourd'hui, vous êtes invités, chers policiers, à entrer dans ce grand marché. Je vous invite à acheter de la valeur, à poser des armes. Je vous remercie. Bonne besogne et bonne chance.